lueur d'amour. Avez-vous pu sortir des informations utiles pour notre recherche? Oui. Ce jeune homme m'a dit qu'il y a plein d'autres petits villages par ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai apporté du bois pour le chauffage. Qui t'a demandé du bois? Ça a toujours été mon travail, chérie Adia. Samen, t'ai-je dit un jour que le fait de m'apporter du bois était une prise en charge? Chérie Adia, pourquoi me parles-tu sur ce ton? Voilà qu'Ngassam est devenu une pierre dans ta chaussure. Ça va se gérer. Ce n'est rien. Ça ne peut pas me dépasser, maman. Aujourd'hui, je suis obligée de m'enfuir. De fuir devant tous ces loups affamés. Et dans tout ça, mon mari ne connaît même pas la raison de ma fugue. Vraiment, cette fille de Rihanna, c'est une vraie garce. Oscar, à peine arrivé au pays, boum, elle est déjà dans ses bras. Chérie. Chérie, s'il te plaît, dis quelque chose. Chérie, je sais que j'étais offensée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que j'ai levé le ton sur toi. Je t'ai parlé de manière méprisante. Je t'en prie, chérie, dis quelque chose. Tu m'as parlé comme moins que rien. Tout ça parce que tu es convaincue que je t'aime. S'il te plaît, bébé, pardonne-moi. Toi-même, tu sais que je me sacrifie depuis étant petit pour toi. Je te déposais un fagot de bois ici presque chaque jour. Oui, je le reconnais. Demander pardon, c'est facile. Et te pardonner, ce n'est pas évident. Mais je veux te pardonner. Tout ça parce que je t'aime. Je te pardonne. Où est passée maman? La boutique aussi était fermée. Maman! Tu m'as fait peur là! Mais toi aussi tu m'as fait peur! Oh maman! Où étais-tu passée? J'étais rencontrée l'homme de Dieu. Ah ben ça, c'est une merveilleuse nouvelle.
Ça fait longtemps que tu n'as plus mis tes pieds à l'église. Mais c'est ce que tu devrais aussi faire. Tu dois commencer à aller... Non, maman, non, 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 non. Je n'ai pas assez de temps. Du tout. Oh. On remonte? Jusqu'à quand sortirai-je de cette cachette? Ça fait des jours que je erre, ci et là, dans l'espoir de retrouver ma moitié. J'espère que la façon dont cette forêt est hostile, elle n'est pas tombée dans un piège. J'entends des cris. Il faut aller voir. Mon Cam, tu ne m'as toujours pas répondu. Si. Je t'ai fait savoir que j'ai fait le chant ces jours. Et en plus, j'ai suivi les cours à l'église chez le prêtre. À l'église? Oui. Y a-t-il un problème? Mon Cam, cet endroit n'est pas bon pour toi. Cet endroit n'est pas bien pour moi. Mais explique-toi. Tu sais ce qu'on dit du comportement des... Des prêtres, tu veux dire? Oui, c'est ça. Monsieur Ngassam, ce sont mes formateurs pour l'instant. Et je ne supporte pas qu'on me mal parle d'eux. Bien. Quel est le but pour lequel tu es venu me voir? Mon Cam, tu sais que le temps presse. Et notre programme de mariage dandine toujours. Monsieur Ngassam, tu as un programme avec mes parents et non avec moi. Je t'ai fait savoir la fois dernière que je n'étais pas prête et que je ne ressentais rien quant à ce projet de mariage. Mon Cam, ton père m'a demandé de passer. Va donc voir mon père. Je crois que pour une décision de ce genre, mon avis doit compter. Ah. Mon Cam. Ngassam, bon sorbi, ouais. Jolie coiffure. Merci, ma puce. Maman, tu t'es acheté une nouvelle tablette? Oui, c'est joli. Super. Waouh! En plus, c'est de la classe. Maman, comment tu l'as eu? Parce qu'on ne trouve pas... C'est clair. C'est un couple blanc qui me l'a offert. Maman, ne me dis pas. Tu fréquentes déjà des blancs? Mais bien sûr, ça t'étonne. Non, maman. Alors, comment ça s'est passé? C'était lors d'une cérémonie de fin de vacances où ils ont organisé un grand dîner. Il y avait des mets africains, des mets européens, des mets asiatiques. Et? Je ne te dis pas. Il y avait un bon dolé, à ma façon. Hein. Ils ont apprécié et ils m'ont offert ça. Comme tu sais si bien le faire, maman. Mais moi, j'étais où en ce moment-là? En vacances, tu ne te rappelles pas? Et cela t'a valu cette tablette? Maman, sacrée Madeleine. C'est ouvert. Bonjour chérie. Ça m'a beaucoup manqué. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Les crampes. Ne me touche pas, ne me touche pas. On va t'occuper des genoux, ça va aller. Chérie, on peut causer tous les deux? S'il te plaît, bébé, donne-moi juste 15 minutes. Je vais aller la voir, d'accord?
Tu reviens. Maman! Chérie, je te remercie grandement pour ta gratitude. Mon poussin, j'espère que tu es maintenant rassuré de mon amour pour toi. Eh oui, chérie, je suis rassurée. Ce sont des paroles que j'aime entendre. Tu sais, l'amour est plein de volonté et il n'y a pas d'orgueil en amour. Je sais, c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé pardon. Moi, je t'ai pardonné depuis. Oh, tu es un ange. Toi aussi, tu es un ange. Chérie, est-ce que... Quoi? Parle. Tu as honte? Je ne sais pas. Bon, est-ce que moi, je peux te poser une question? Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu acceptes de m'épouser? Oui! Et si je ne parviens pas à te faire un enfant? Mais bébé, ça m'est égal. Le plus essentiel, c'est l'amour que j'ai pour toi. Mon amour avec toi ne va jamais changer. S'il te plaît, maman, dis-moi ce qui ne va pas. Mais j'ai eu un malaise, c'est tout. Ah, maman. Ne pose pas les mains sur moi, je t'en prie. Mais maman, tu sais bien que je n'aime pas te voir dans ces états. Laisse-moi seule et sors. S'il te plaît maman, parle-moi, je t'en prie. Je dis laisse-moi seule. Père, tu ne sais pas que c'est toi qui me mets dans tous ces états. Thank you.
faut qu'on s'en aille d'ici. Mon amour, je te remercie. Je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Non, chérie. Tu sais, pour toi, je déplacerai les montagnes. Merci, mon cœur. Qui sont ces monstres? Ce sont des primitifs, chérie. Et c'est quoi les primitifs? Ce sont des êtres à l'état sauvage qui n'ont pas encore subi de transformation. Et en plus, ils mangent des gens avec des ignames. Chérie, faut qu'on s'en aille d'ici. D'accord. Maman, comme je te le dis, je ne peux pas épouser un homme que je n'aime pas. Du moins que je ne connais pas. C'est dans le mariage qu'on apprend tout. Mais maman, tous les approches ne sont pas identiques. Qu'est-ce que tu en sais, Mokam? Loin de considérer que les enseignements de Maître Sona sont déroutants, hein? Je suis plus convaincue qu'il n'y a pas mal de bonnes choses qu'il nous a enseignées. Un mariage sans amour en amont, ce n'est que du stress. Et un amour sans raison et passion n'est qu'un semblable d'amour, un pétant. Je comprends vraiment que ce vieillard de Sonan a détruit ma fille. Maman. Chérie, cette eau de source m'a vraiment manqué. Vraiment, chérie. Grâce à toi, je vais encore m'abreuver de cette eau naturelle et pure. Voilà, tu devrais me remercier. Tu ne te rends même pas compte des dégâts que tu as causés. Chérie, excuse-moi, s'il te plaît. C'est déjà fait, chérie. Mais cependant... Cependant quoi? Hein, chérie, vas-y, continue. Cependant, tu as causé beaucoup de tort à toute la royauté. Comment ça, à toute la royauté? Le roi a envoyé ses soldats te chercher. Le prince est venu à la maison, pas une fois, mais plusieurs fois. Et tout ça pourquoi? Non seulement parce que tu sais au palais, mais aussi parce que le roi est le garant de tout citoyen dans la communauté. Chérie, la réalité de cette... Bon, ok, chérie. On va quitter d'ici, d'accord? Je vais t'amener dans un endroit plus sûr. Allez, viens, viens, chérie. Chérie, tu t'es bien reposée? Oui, je me suis suffisamment reposée. Tu sais, mon petit poussin, j'en avais vraiment besoin. C'est vrai. Je t'ai observé et tu dormais comme un ange. Merci de prêter attention à moi. Je voudrais que ce soit comme ça toute la vie. Je suis d'accord avec toi, mon cœur. Je ferai tout pour que jamais rien ne perturbe ton sommeil. Tu sais, nous devons nous occuper de nous. Surtout, se rassurer que nous soyons en paix. Une maison en paix vaut mieux qu'une maison remplie de pain. Et d'or. Tu as raison. Chérie, je t'aime. Et j'ai l'impression que je suis sur une autre planète. Tu sais, on a l'obligation de s'occuper l'un de l'autre. C'est rassurer que l'autre soit à l'aise, qu'il ne manque de rien. C'est important pour vivre dans la paix, chérie. Tu as raison. En passant, quand iras-tu voir ta famille? Quoi faire? Mais chérie, pour leur annoncer notre mariage. Ah, mon petit poussin, ma petite chèvre de Bamena. Oui. Tu sais, le mariage n'est que la finalité d'un processus. Il faut d'abord commencer par les présentations, après les présentations, prendre le processus de mariage. Et tu vois, le mariage ne vient qu'en dernière position. Laisse-moi juste le temps pour que mes parents se calment et le reste sera fait. D'accord. Mon petit poussin, ma petite chèvre de Bamena. Chérie,
Ton absence m'a beaucoup traumatisée. Moi de même, mon cœur. J'étais malade à l'idée de penser de ne plus jamais te revoir. Dis, le roi, qu'est-ce qu'il te voulait? Le roi disait qu'il était le garant de tous citoyens dans la communauté. Et qu'en aucun cas, aucune femme ne pouvait disparaître sous aucun toit. Ah bon? Puisque je lui avais dit que je ne savais pas où tu te trouvais. Ce roi, il est généreux, hein? Garant des citoyens. Raison pour laquelle il a envoyé les soldats m'arrêter? Chérie, je ne mettrai plus jamais les pieds dans ce palais. Mais chérie, pourquoi? Ce palais m'est invivable, hostile et bien plus. Et en plus, ce palais m'occupe plus qu'il en faut. Tu as certainement raison, chérie. Mais tu dois pouvoir concilier tes travaux au palais et ton foyer. Dis, entre te faire manger par des primitifs et vivre à Kamakou, tu préfères quoi? Comment elle va? Mal. Qu'est-ce qu'elle a? Aucune idée, elle refuse de me parler. On peut parler de nous deux, chérie. Jeanne, je n'ai pas assez de temps pour ça. Ne vois-tu pas que ma mère ne se sent pas bien? Tu sais, elle te considère comme son fils. Alors s'il te plaît, va lui parler. Est-ce qu'on peut aller lui parler tous les deux? Ah non. Vas-y seule. À moi, elle ne veut pas parler et peut-être qu'à toi, elle le fera. Vas-y, je t'attends ici.